Mezoku, Mana Yuguta, Vana Chanson des Primes Internationales, c'est toi. Vana Joli Garçon, Vana Mukuluku, Vana Kolela, c'est toi. Ouais, passé le grand Traoré Kandia, Vana Chanson des Primes Internationales, Dada Premier Number One, Vana Mukuluku, Toleka. Pourquoi ne pas ouvrir un méga à Tadakou comme à l'époque? Ah ouais, mais c'est, ce sont des choses qui sont prévues sur mon album. En fait, je vais crescendo. Je courais un peu avec la nouvelle génération, les petits là. Il faut que je fasse. J'ai assez de souffle pour courir. Ouais. Non, je sais que. En fait, c'est. Il y a même le beat là, ils ont accéléré ça. Je sais. Même dans l'animation. Il dit. Vouloir, c'est pouvoir. Après aussi, tu es vieux maintenant. Non, c'est une nouvelle génération. Non, un artiste n'est jamais vieux. Est-ce que tu as le souffle aussi? Pas les enfants. Tu peux tomber au coup de roue dans le bac. C'est comme rapper. Mais en fait, c'est tellement un bon défi. Parce que les gars de ma génération, tout le monde est somo. Donc je me dis, bon, voilà des gars qui peuvent me motiver. Et Didi B s'auto-proclamait le roi du game. Donc toi, tu es d'accord avec ça ou pas? Je pense que c'est dans leur rap ivoire. Comment ça? Mais lui, il n'est plus, il est divers. Il touche un peu à tout, mais il ne peut pas être le roi du game. Il est peut-être le roi du game, du rap ivoire, mais pas le roi du game mode coupé décalé. Aujourd'hui, le roi du game, c'est la team PA. Voilà. De toute façon, tu fais Atalakoula. Comme ça, le si va vite qu'il monte. Non, ça, en rap, il n'y a pas de problème. Mais nous, de la manière dont on fait Atalakoula, dans Team Paya, il n'y a pas une vie à Atalakoula comme ça, comme nous. Là. Non, c'est pas possible. Non, dans le rap. Laissez Milano le faire. Non, il est bien mélodieux et tout, mais nous, on est dans un autre level. Les gens, non, si c'est ce côté-là, faut pas, ils vont essayer de courir à nous. Non, c'est pas un défi, c'est une information. Ouais, je m'appelle DJ Arsenal. Moi, il dit, je discute pas avec quelqu'un dont j'ai fait danser les parents. Tu comprends? J'ai fait danser tes parents, donc je discute avec toi. On parle de quoi? Fafa. On peut décaler là, il y a quel problème, il y a quel virus? Léo et Lewis, ils ont quel problème? Je pense que ceux qui pourront vous donner la vraie réponse, ce sont les deux concernés. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est. Là, je parle en tant que DJ. Oui. C'est pénible pour moi. C'est très pénible pour moi de rentrer dans une sélection coupée décalée et de jouer toujours des rétros, en fait. Quand tu dis sélection, voilà, quand tu dis sélection coupée décalée, si tu précises pas rétro, c'est que si tu dis sélection coupée décalée, c'est que c'est pour jouer des nouveautés, mais sauf qu'il y en a pas. Il y a pas plus de 5-6. Tu peux pas faire une sélection musicale avec 5 morceaux. C'est comme si tu es en train de faire une transition musicale, non. Peut-être que c'est tous ces problèmes-là, des Fallait Arsenal, c'est tous ces problèmes-là qui ont fait que ces petits-là sont venus avec le mouvement qui, beaucoup le disent, est en train d'éteindre le coupé décalé. Et on regarde eux maintenant Non, ça n'éteint pas le coupé décalé puisque c'est du coupé décalé qu'ils font. Et ils disent c'est pas coupé décalé. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils peuvent pas s'amuser à dire ça. Non, ils savent, ils peuvent pas s'amuser à dire que ce qu'ils font n'est pas du coupé décalé. Ton plus gros cachet dernièrement touché était de... Ouais, c'était 2 500 000. Je pense que c'est peu. Vu le... Ça aurait pu être combien? On aurait pu peut-être pousser à 5-10 000 euros. Non, voilà pourquoi je reviens sur quelque chose. Je sais pourquoi ils nous ont pas appelés pour aller mixer dans les stades pendant la CAN. Ils savent. Donc tu penses que les DJ moins chers, ils ont plus quoi les faire? Non, j'ai pas dit qu'ils sont moins chers, mais ils savent combien nous on coûte. Là, je parle de moi. Je sais ce que je coûte et les gens savent plus ou moins ce qu'on coûte. Quand je parle de moi, Moulukoukou, peut-être Diké, Philo et tout. Ils savent ce qu'on coûte. Ça n'a rien à voir avec Kitch. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai mixé 1h30 de temps, 2h30, 2,5 millions. Donc si on m'appelait pour toute une journée de Cannes, juste un match, ils allaient lui l'air. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, on est resté. En 22 ans de carrière, combien de vous? J'ai les autres, combien de vous? Dès que tu finis de compter le nombre de tes cheveux, tu me fais un signe. Arsenal! Mais de dire quoi? J'ai eu un truc que je peux jamais oublier et ça me fait très mal. Je sais pas si cette fille se souvient. Je te demande pardon. J'arrive dans un coin, je drague une fille et tout. Elle-même qui fait déjà, donc ça passe crème. Je l'ai dragué un dimanche. On finit la lampe. Il m'a déjà à elle. Le dimanche qui suit, je la recroise dans le coin et je la redrague. Mais la honte de ma vie. La honte, c'est-à-dire que, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de situation. C'était mais c'est, non,
Joe, tu passes à autre, tu sais même plus t'as combien de gros. Donc quand tu arrives, tu vois un nouveau, tu vois ça en nouveau. Ben, entre le dimanche et le dimanche, tu as dit tu as au moins trois trucs, tu vois. Donc c'est passé. Donc quand tu es. Non, c'est. Non, mais si on ne se calmait pas, c'était dangereux. Là, par contre, ils allaient nous décorer. Suivez Fafa tous les samedis à 12h, rediffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique.